Allô? Espagnol, mais c'était trop long. Je vais juste laisser assimiler, là. Et dans le moment présent. Enfin, on vit ce ralentissement-là dans nos cellules. Chaque fois qu'on va se tenir la main, ça va être comme un rappel inconscient de ça, de dire « voici ce qu'on veut vivre encore plus ». Fait que la communication, mettons, entre vous deux, ça va bien. Le meilleur, c'est de pas se parler. Ouais. Quand tu parles pas, il n'y en a pas de trouble. Ça, c'est notre truc. Si tu parles, tu réponds pas. C'était mon rêve de me faire demander en fiançailles avec un coucher de soleil. Qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs. C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Jo. Salut, moi c'est Gabi. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te presse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description, sous la vidéo. Fait que dans le fond, ça a commencé par des petits messages avec Joe. J'essayais des supprimer du mieux que je pouvais parce qu'elle a la tendance, elle connaît mon code, on a le même code. Je viens de faire de un signe dévoiler. De le dévoiler à tout le monde. J'ai fait un 7 à gâtez-vous, écoutez. On va le changer, on va faire un 8 demain. Ah, oh, si je viens encore de le dire. Non, ça marchera pas. Okay. On va le. On... Ouais. Whatever. So, fait que là, on avait les textes, puis elle est débarqué avec ça. Moi, j'ai attendu à la dernière minute, j'avais aucun plan. J'avais un plan que je voulais l'attendre à la maison, puis elle arrive en surprise, puis j'avais déposé les pétales au sol. Mais je savais pas quand, je savais pas comment. Puis c'est ça. Fait que il y a un après-midi, on était au Kraken. Des cocktails autour de la piscine, puis. Là, j'ai regardé Joe, j'ai dit « OK, c'est le temps, je vais faire semblant qu'on a quelque chose à se dire puis que c'est juste entre toi et moi, fait que on part puis on s'en va faire ça. » Fait que là, on lui dit ça. On dit ça de manière vraiment sérieuse. Là, moi et ma soeur, il faut qu'on règle des choses. C'est vraiment important, fait que... Tu restes ici. Faut que tu restes ici. J'ai OK. Puis là, moi, je suis comme OK, parfait. Je vous laisse votre espace. Puis tu sais, je suis full dans la compréhension puis dans me dire comme OK... Allez-y. Fait que là, je suis arrivé à la maison. C'était simple de déposer des pétales de rose. C'était vraiment pas compliqué. Mais là, je voulais marquer c'est quoi, veux-tu me marier? Veux-tu m'épouser sur le sable avec des coquillages et des roches? Mais là, j'étais comme veux-tu m'épouser? Ça prend énormément de coquillages puis de roches. Puis là, je capotais un peu. J'ai dit, OK, on va rendre ça un peu plus simple. J'ai fait juste veux-tu. OK. Puis on se le dit souvent, ça. C'est comme un petit hint. Tu veux-tu? Tu veux-tu telle affaire? Veux-tu? Okay. C'est correct. Veux-tu, là? Veux-tu? Ouais. Puis je me suis caché.
On a parti une petite musique quétaine. Puis. Non, la musique, elle n'a pas fonctionné, mon ami. Ah, la musique n'a pas fonctionné. Tu vois, c'est encore plus quétaine. Bon. On a essayé. Ouais. Yes. C'est l'intention. Je suis revenue trop vite. Ouais. Parce que moi, je suis au restaurant, puis moi, c'est important pour moi de voir tous les couchers de soleil. Puis il me dit, j'ai besoin d'une heure avec ma soeur. Là, c'est comme, ça fait 1h30, 1h45 là, qu'on est là. Là, j'ai Ariane, bon, on va se retourner à la maison. Ariane, elle me dit, ben non, on ne peut pas passer par la plage parce que Jordan a fait une surprise. Là, tu comprends-tu que dans ma tête, yeah. Là, ting, 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 ting. Ariane, t'as dit ça? Elle dit, Jordan, elle a fait un petit setup pour le souper puis elle ne veut pas qu'on le voit tout de suite. Là, mais comment tu veux qu'elle me fasse passer par la rue toutes les fois qu'on revenait? Ah, oh, tu savais pas? Non, je savais pas. Toutes les fois qu'on revenait, on revenait par la plage. Moi, je comprenais pas pourquoi on allait revenir par la rue. Pantoute, pantoute, pantoute. Fait que là, je suis comme, mais non. Mais moi, quand il a texté à sa sœur puis qu'on était à la maison numéro 3, Casazulu, j'ai dit, quand est-ce que tu as décidé ça? Parce que moi, un moment donné, j'ai eu le feeling, je nous ai vus, j'ai vu Ariane en train de pleurer, j'ai vu Jordan en train de pleurer, puis je nous ai vus en train de vivre la scène à Popoyo, là. Ça a été super clair pour moi que c'était comme ça. Fait que quand que Ariane me dit ça, je suis comme, ah, c'est maintenant. Fait que là, tu savais qu'il était pour faire sa demande. Oui. Ah. Fait qu'on marche. Là, je marche dans l'affaire. Puis je suis comme, ah, mais comment je réagis? Fait que je suis vraiment tombée dans ma tête. Puis pour vrai, je le partage parce que vous allez voir la vidéo de demande de fiançailles. Puis j'étais comme très là-dedans. Puis j'ai dit, wow! Hey, mais quand est-ce qu'il a organisé? Quand est-ce qu'il a demandé ci? Comment qu'il a fait ci? Fait que là, je rentre. Jordan, elle a la caméra comme ça dans ma face. Comme... vraiment full pin. Et là, je suis comme, bon, there's something. Puis là, je me remets tout à faire les A plus ça, puis tout. Les filles insistaient pour que je mette cette veste-là dans l'après-midi. Mets ça par-dessus ton maillot, tu vas être tellement belle, tu l'as acheté, ça va être cool de mettre ça à la piscine. OK, tu sais, follow the flow. Fait que je rentre, je vois ça. Puis je suis comme, je suis vraiment contente, mais comme je te dis, il y a comme mon mental, fait que ça l'a pris du temps avant vraiment de laisser comme l'émotion m'envahir. C'est comme quand elle a fermé son sel, puis qu'on a été parti sur la plage, juste profiter du coucher de soleil. Là, je sautais de joie. Là, elle, elle a pris des photos, mais j'avais plus conscience qu'il y avait la caméra. J'avais comme, OK, là, c'est vrai. C'est comme un petit step de plus, si on veut. Pour moi, tu sais, de tout le voyage, les gens pourraient dire, ah, oh, c'était ça ton moment préféré? Bien, l'ensemble du voyage était beau. Mais ça, c'était comme, oh my God, c'était mon rêve de me faire demander en fiançailles avec un coucher de soleil, avec Gab, avec tout ce qu'on bâtit dans les dernières années. J'étais comme, OK, c'était vraiment comme une cerise sur tout le Sunday, mais le Sunday était là. C'était un... Le coucher de soleil, était-tu rouge? Coucher de soleil le plus beau qu'on a eu dans les 30 jours. Mais tu l'avais commandé. J'imagine. Amazon Prime, ils l'ont livré assez vite. Ouais. Ouais. Puis après ça, on appelle mes parents pour annoncer. Puis mon père, il me dit, « Hey, c'est la date de fête de ton grand-père. » Mon grand-père est décédé quand j'avais 6 mois. Mais moi, tout le long du voyage, je n'ai que la chaîne de mon grand-père. C'est ce que j'ai porté la majorité du voyage. J'en avais un autre. Mais à la maison, moi, je portais un autre genre de collier. Puis quand on est parti en voyage, ça avait vraiment été, « OK, ça va être lui qui va me suivre. » Puis il m'a suivi comme jusqu'au bout là, de cette magie-là. C'était impressionnant vraiment. Puis de vivre ça avec une de mes meilleures chums. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Ouais. Beau moment de. C'était magnifique. En plus, quand les vagues passent puis qu'ils repartent, le sable est tellement. Il devient miroir un peu parce qu'il est un peu plus foncé, tu sais, il n'est pas pâle. Et que tu voyais le réfléchissement du rouge dans le sable en bas, c'était comme vraiment particulier. Ah, très, très, très beau, hein? Un peu comme se faire filmer, c'est comme moi, j'ai pas d'interprétation. Oui, il y a un peu de tic-tic, mais comme je laisse aller. Au pire, ça sera extraordinaire, au pire, ça sera poche, mais. J'ai cédé. Rendu à Popoyo, j'ai cédé au contrôle. Ouais. Vraiment. Puis c'est ça, tu sais, comme avec la musique, moi, je suis comme, ah, oh, ben non, il n'y en avait pas, parce que Jordan était comme, oh non, la musique n'est pas partie! Ah, tu sais, comme, puis moi, j'étais comme, ah, oh, mais il y a le bruit des vagues, puis comme, juste de voir ça, de voir la complicité, tu sais, comme qu'eux avaient fait ça ensemble, j'étais comme, ah! Oh, c'est ça, tu sais, c'était
C'est tellement parfait. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être fiancé? Absolument rien. Pour vrai, c'est... Comment je pourrais dire ça? Moi, je considère qu'on était engagés déjà depuis longtemps, que ce soit par qu'est-ce qu'on a vécu juste dans notre première année, comme c'est un bijou. C'est un bijou qui vient de sa mamie. Je suis super contente, j'en prends soin. Chaque matin que je le mets, je suis contente puis je me dis que je célèbre la relation qu'on a. Mais je célébrais la relation qu'on a depuis 4 ans. À chaque fois le soir qu'on s'exprime une gratitude, à chaque fois, je suis comme, hey, on vit la vie que je rêvais il y a des années. Comme on, je vis une relation que je pensais jamais avoir. Merci. C'est ça, pour moi, vaut plus cher au quotidien que de me dire, ah, oh, j'ai un bijou, puis ceci veut dire aux yeux des autres. T'sais, on aurait pu, à la limite, pas le dire. Puis même, tu sais, que. Il y en a qui auraient voulu le savoir d'avance dans notre entourage puis qu'on l'avait pas nommé parce que pour nous, ça venait juste s'insérer comme un autre morceau de casse-tête. C'était pas un... Il y avait pas un edge puis... Tu sais, même au niveau du mariage, les gens nous disaient c'est quand? We don't know. OK. Puis ça nous coûtera pas 100 000. Puis s'il y en a pas de mariage, c'est correct aussi. Ça serait correct aussi, mais il va en avoir, on va faire quelque chose, mais on ne sait pas quand ou comment. OK. Comment vous décririez votre relation pendant le voyage comparé à quand vous êtes ici? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que y a-t-il quelque chose qui a changé? J'ai eu une niaiserie qui est sortie en premier. Jusqu'à... Comment vous décririez votre relation? J'ai comme deux hosties de concombre. OK? Oh. Oui. C'est beau, hein? J'aurais pu dire harmonieuse, en symbiose. Ouais. Non. C'est comme si on est vraiment... On est épais chacun, mais ensemble, hein? Là, hein? Mon Dieu, il dit où ça va? Quand on était... Continue. Attends, mais je... T'en mets-tu un autre? Niaiseux? C'est... On aime avoir du fun, OK? Fait que là-bas... C'est comme si c'était encore plus ça. Quand il arrivait quelque chose, ça tournait à la blague. Quand il y avait des situations moins le fun, il y avait une joke qui sortait. C'est ça que je veux dire par deux concombres. Là, j'étais là mal à l'aise. J'étais comme, voyons donc, c'est pour ça. Ça y est, c'est là que ça finit on cam, genre. Mais, tu sais, puis je veux dire, on avait beaucoup de temps de lousse, là, tu sais, quand tu étais ici, ben, ah, OK, on est chez vous, on est en train de tourner. Ah, OK, bon, on va aller faire telle affaire, on va aller voir nos parents. Mais là, nos soirées, ils n'étaient pas longues parce qu'on a tout le temps quelque chose à se dire, parce qu'on fait ça, mais t'es arrivé que des fois, il y a des niaiseries en astique. Là, lui, il a fait des combats d'œufs de divertissement. T'as la gang. Faites-vous des batailles d'œufs des fois de temps en temps? Quand vous allez cuisiner vos huevos, moi j'en fais. Puis ils sont pas numérotés, fait que je savais pas qui est le gagnant de la semaine, mais je vais le mettre dans le coin. Comme ça, on va savoir who's the big winner of this week. Fait que je vais le mettre dans ce coin-là à chaque fois que l'œuf va avoir survécu. Puis on va voir qui va avoir survécu la semaine, puis. Prochaine semaine, on va commencer les paris, on va ouvrir la banque, puis on va faire des gros paris avec ça. You know? OK. On s'installe, on prend 2 œufs, puis on les snap ensemble, puis on voit qui gagne. OK, tu vois, lui, là, j'ai comme pris ma main, celle-là. Je comprends qu'il y a du monde à la maison qui va dire « Ah, tu l'as poussé vers l'autre, l'autre tu l'as laissé immobile. » On va essayer d'être meilleur pour le prochain. Désolé. OK? Ça, c'est notre gagnant. T'es encore là. On en prend un autre. Gagnant, main gauche, nouveau, main droite. Je vais essayer d'y aller even. Oh! Il est encore un gagnant, main gauche. Fait que je le laisse de côté. Il en a tué 2 à date. He's so amazing. I'm so proud of him. Incroyable. Puis j'en prends un autre. Gagnant main gauche. Nouveau main droite. 1, 2. Oh non, il s'est fait destroy. Fucking destroy.
Alright. So, là, c'est parce que maintenant, il y a comme une limite que j'en casse parce qu'il ne faut pas en faire trop non plus. 1, 2, 3, 5. Enfin. Gagner à main gauche. Faut faire égal. Oh, il a encore gagné. Lui, c'est un vrai. Par expérience, j'ai remarqué que les plus petits sont plus solides. Fait que rien contre les plus gros, mais c'est ça que j'ai remarqué. Que first take! Il y a comme bien des affaires que est-ce qu'on se rendrait aussi loin dans des gags si on avait d'autres stimulations autour, mettons. Okay. Fait que moi, je décrirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans notre relation puis que ça, ça l'a suivi. Mais on s'est connus en pandémie. Fait que ça l'a fait que rapidement, on a passé beaucoup de temps ensemble. Fait que ici ou là-bas... OK. On n'a pas eu ben d'accrochage. Pas de différence. Le seul accrochage, c'est toi avec la moto. Ouais. Moi qui regardais pas en avant. Ouais. Mais c'est toi qui chauffais cette journée-là, non? Oui, la seule journée. Est-ce que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer? C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Fait que la communication, mettons, entre vous deux, ça ne va pas bien. Le meilleur, c'est de pas se parler. Ouais. Quand tu te parles pas, il n'y en a pas de trouble. Non, c'est vrai. Ouais. Pas en tout. Là. Oui. Tu parles. Tu n'avais pas pensé à celle-là, hein? Ça, c'est notre truc. Si tu parles, tu réponds pas. Ça aussi, c'est bon. Parce qu'il n'y a rien qui peut arriver. Je prends des notes. Oui, c'est. Ouais. En fait, on pense sortir un livre, L'art de communiquer, ta gueule. Ah, ben, c'est excellent. C'est bon, hein? Moi, je le mettrai avant. Oui, dès maintenant. Avant de l'écrire. Avant de l'écrire. OK. On prend les pre-sales puis tout ça. Alors, commentez hashtag d'ailleurs en commentaire et vous verrez ce livre de communication de couple. Non, mais pour vrai, moi, je dis que le maillon fort là, dans nous deux, c'est lui. Oh, OK. Tu réponds? Concombre. Non, je sais pas. Je suis heureux, my God. Maillon fort. De la communication. Exact. J'ai pas pensé à ça quand j'avais la caméra en main et qu'elle tuait l'araignée. Je me sentais maillon faible énormément à ce moment-là. Mais des moments maillon fort. Des moments maillon fort aussi. Puis je suis content que tu me partages ça. Non, mais pour vrai, quand on veut communiquer. Tu sais, moi, j'étais plus du type broyeur d'avant, puis comme très, très dans mes émotions, puis je me chicanais toute seule. Ouais. Mais là, un moment donné, j'ai compris que ça servait à rien. Non. Fait que maintenant, je me chicane plus, je pleure un peu, je vis des émotions. Ouais. Mais on a comme créé un terrain d'accueil qui est vraiment cool, puis je pense que tu as contribué énormément à ça. L'effet qu'accueille ses propres émotions fait en sorte qu'il n'est plus en train de bloquer les miennes de moins en moins. Ça m'arrive encore, des contractions, comme tout le monde, mais beaucoup plus, OK, dans l'ouverture. Qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Qu'est-ce qu'on fait demain ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? OK, là, moi, j'ai besoin de 3 heures de silence pour faire ma bourse, pour faire ci. Parfait. OK, mais moi, j'ai 3 heures, je m'en vais faire mes affaires. Là, demain, j'anime une masterclass toute la journée avec mes clientes. À 10 heures, je vais finir, fait que j'aimerais ça déjeuner. Je commande mon déjeuner. Puis à tel autre moment, j'ai ma pause de dîner. OK, parfait, mais prends le relais là-dessus. Ouais. Une autre journée, OK, moi, je préférerais une journée complète comme ça. OK, parfait, je vais faire à manger, je vais te servir au niveau de ça. Fait que ça fait que les deux, on est capable de comme shiner dans ce qu'on fait. C'était comme ça aussi à la maison avant qu'on parte. Tu sais, lui, il a travaillé plus pour aller justement créer du levier financier. Bien, j'étais à la maison, puis je vais être un petit peu plus de lavage, un petit peu plus de tout ça. Ouais. Mais c'est tout le temps dans l'intérêt commun. C'est lui, quand il y a un inconfort ou quelque chose qui va dire, OK, comme l'abcès ne restera pas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'émotion que tu vis là? Fait que c'est pour ça que je trouve que t'es hot. Ouais, pour moi, je trouve que c'est important
d'aller au fond des choses. Mettons, tu sais, pourquoi qu'on laisserait ça durer plus longtemps? On va sacrer un coup de baseball dedans, puis on passe à d'autres choses après. Tu règles tes différends maintenant, tu comprends l'autre personne. Moi, j'ai toujours dit, si t'as quelque chose à me dire, puis tu trouves que j'ai pas raison, mais dis-moi là, tu vas peut-être m'influencer. Ouais. Dans la vie, on se fait influencer par tout. Fait qu'à un certain point, t'as peut-être raison. Fait que partage-moi là, en ce moment. Fait que non, j'écoute. Je trouve tout le temps qu'on fait un peu comme cucu, puis de se dire, oh mon Dieu, ça va super bien, puis oh my God, on parle, puis tout ça. Mais pour vrai, là, je pense que qu'est-ce qui nous a aidés, parce qu'au début, comme je l'ai dit, c'était pas comme ça, c'est vraiment de méditer. C'est que plus on ralentit justement au quotidien, plus tu vois ok l'impact de tes mots sur quelqu'un, l'impact de comme la dynamique relationnelle, fait que ça a été beaucoup, beaucoup de conscience, beaucoup... j'aime pas le mot « travail », mais comme c'est pas arrivé du jour au lendemain. Je veux dire, on serait parti année 1 ensemble, je pense qu'on l'aurait fait. Ouais. Mais c'est comme tu builds tout le temps comme tes muscles. C'est un muscle qui s'est buildé, la communication. Ouais, mais comme je t'ai partagé l'autre fois, je pense que c'est comme faire un petit nettoyage de son appartement, la méditation. Puis dans ce temps-là, t'as moins de, je sais pas, anxiété, agressivité, peur. Ça t'aide à... Mettons, ma peur des finances quand on était là-bas, ben tu reviens dans ta tête, puis tu relaxes, tu respectes, puis tu laisses ça aller. Tu fais confiance en la vie, puis... Je sais pas, je trouve vraiment que c'est un médicament gratuit qu'on peut s'offrir. Oh wow! C'est beau, ça. Ouais. J'adore. J'aime ça! Bravo! Ouais. Belle phrase! I love that! Je suis le maillon fort. T'es le maillon fort! Moi, je suis... Regarde sur qui s'assied. Sur toi. Ouais. J'ai envie de vous demander, chacun de vous, qu'est-ce que vous avez appris de l'autre personne que vous ne saviez pas en voyage? Moi, j'ai appris que les femmes pétaient. OK. Je ne savais pas. Non? Non. C'est quelque chose. Ouais, c'est bon. Puis que c'est pire que l'homme lui-même. Ok. C'est heavy. Mais je sais pas si vous êtes toutes dans un. On a un cas extrême ici. Le pire, là, c'est que dans ma communauté, ceux qui se diraient pourquoi on parle de pet, dans ma communauté proche, ceux qui c'est la première fois que vous tombez sur notre contenu, bienvenue. On a, on a une passion caca et pet. Pas genre on joue dedans, mais beaucoup est comparé au caca et au pet. Puis c'est même un gag que certaines personnes, dont Annie, je te salue, m'envoient... en fait, elle m'a envoyé quelqu'un en apnée sous-marine qui pétait puis qui avançait grâce à ça pour me souhaiter bon voyage. Okay. Fait que c'est connu. OK. Ouais. Okay. Mais pour vrai, mettons, t'as-tu appris quelque chose ou de moi? Comme... Pendant qu'on était là-bas? Ouais. Ben, j'ai appris que t'étais vraiment plus courageuse que je l'aurais cru. Ouais, c'est plein de choses que il y a rien qui t'empêchait d'avancer. On est allé dans des places où c'était un peu nébuleux, notre sécurité, mettons. Mais pas froid aux yeux du tout. Les bruits qu'on entendait la nuit. Ça a super bien été. Je salue ton courage pour de vrai parce que... C'est ça, c'est le fun d'être avec quelqu'un qui s'empêche pas des choses. On peut foncer, puis on y va, on vit des beaux moments. Merci. Bienvenue. Moi, je veux dire, ton amour, mais ton amour de l'humain, ça a vraiment été, tu sais, comme on a parlé de Macumba, le chien, mais je pense qu'avec tous les humains qu'on a croisés, t'avais ce désir-là de leur envoyer de l'amour, t'avais ce désir-là de les comprendre, t'avais ce désir-là, justement, on a parlé de rendre tout le monde égal, mais il y avait comme quelque chose qu'on passait dans les rues, il fallait que les gens soient salués, il fallait que les gens soient vus. Je le savais, mais de le vivre pendant 4 mois, de voir que chaque personne que tu croises a de la valeur, ça, j'étais comme, man, moi, je suis sa blonde. Puis je t'ai dit combien de fois, dans mes fiertés du soir, je suis comme, moi, je suis fière d'être ta blonde. Je suis fière de te voir donner.
je suis fière. Puis pas juste l'argent, aider, vouloir être présent, jouer. Tu sais, on arrivait sur une plage, j'avais des enfants qui jouaient, puis qui voulaient qu'ils jouent, puis qui lançaient le ballon. Ils se levaient, ils allaient jouer. Ça, ton amour, moi, c'est ça. Puis je te le dis, puis ça me crée une petite émotion. Ouais. Merci. Demandé si on avait eu des discussions challengeantes puis comment que ça se passait dans la communication. Je me souviens d'une fois où est-ce que, tu sais, intérieurement, c'était un petit peu plus challengeant parce qu'on revenait de Granada. Il y avait eu beaucoup d'argent qui était sorti parce que la semaine que sa soeur puis Ariane était là, on voulait pas se dire « OK, on mange pas ça, on va pas à tel resto, on va pas ci », versus que pendant les autres 3 mois, ben on avait un rythme de vie qui était plus normal, mettons, parce que c'était notre quotidien. Fait qu'on revient, on marche ensemble sur la plage, puis l'argent, ce sujet-là qui est là, que même si on lâche prise, on lâche jamais prise d'une chute. On avait doucement à se dire, OK, c'est correct, on va plus choisir qu'est-ce qui est aligné, etc. On se parle, je suis pleine d'émotions, de pleurs, ma chum vient de partir. Sa soeur est partie. On a une semaine où est-ce qu'on a peut-être plus bougé qu'à notre habitude parce qu'on a fait des activités avec eux. Menstruer un peu, dans le fog. Il y a une madame qui nous dit « Venez, venez, venez! Hey, » moi, la madame, j'ai-tu rien qu'à lui dire « Qu'est-ce que tu veux, là? » Moi, je m'en revois, là, mon pouls, là, décidé, là. Puis je m'en vais à la maison, moi, je suis tannée, je vais aller manger, j'ai faim, en plus, fait que menstruer, faim, tout le kit, comme ça va pas, là. J'ai l'air bête. Lui, il est comme, mais non, ma madame, elle a peut-être besoin d'aide. Moi, je veux pas aider personne. Tu sais, comme, that face. Je suis comme, OK. Il dit, non, viens-t'en, on va le voir. Il va, puis là, il est comme, viens-t'en. On arrive. Il y a un bac de bébé tortue. Puis moi, j'avais demandé à la vie, je voulais release des bébés tortues dans la mer, mais il y a des places où ça va te coûter comme 100$ pour release un bébé tortue. J'étais comme, non, je vais pas release un bébé tortue pour 100$. C'est pas... Je comprends que ça contribue à la survie, là, mais c'est souvent beaucoup plus touristique. Puis c'est là qu'on a fait la rencontre de Anna. Puis Anna était pas là juste pour les bébés tortues. Les bébés tortues étaient clairement un prétexte. Je m'assois, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Les bébés tortues, ma mère, 1, 2, 3, une vingtaine de bébés tortues qu'on sort. De 1, juste les voir, j'ai appris de l'instinct animal qui est juste comme, il sait où il doit aller, il sait son flot de vie, il entend la mère, il marche à leur rythme à eux, même si c'est lent, ils finissent par y aller. Ça vaut la peine, pour ceux qui savent pas, là, mais nous, on a appris ça, aller... release, elle les laisse aller à peu près à quasiment 50, si c'est pas 70 pieds de l'eau. Avant l'eau pour qu'ils marchent, puis qu'ils, parce qu'eux autres, ils ont besoin de se départir d'un gaz à l'intérieur d'eux autres. Là. Puis si tu les laisses trop près, ben ils vont pas s'en départir, ils vont tomber dans l'eau avec ça. C'est ce qu'on a appris. Fait que là, ils marchent, puis c'est interminable, là, je te dis, ils sont minuscules. Puis là, à un moment donné, ils s'en vont un peu en diagonale. Mais ils savent que l'eau est par là. Clairement, là, ils s'en vont vers l'eau. Mais un peu en diagonale, un peu de l'autre bord, t'es comme, hey, tu parles là, ouais, enligne-toi. Mais c'est trop cute à voir, là. Il y en avait partout. Puis là, il faut que t'es watch parce que s'il y a un chien qui arrive. Tu veux pas qu'il se fasse manger? Ouais, il les mange, eux autres. Mec, Anna, tout le long, elle nous raconte pourquoi qu'elle fait ça. Elle protège les bébés tortues, ils vont les chercher, ils mettent ça dans les poubelles, ils les élèvent avec. Le sable, tout ça, jusqu'à temps que les yeux éclosent. Mais elle, elle me raconte son histoire. C'est une femme du Nicaragua, comme tout le monde, qui a starté avec pas grand-chose. Comme elle venait pas d'une famille nécessairement tant plus fortunée. Mais elle a été étudiée, ils ont trouvé les moyens d'aller étudier, ils se sont mariés.
Ils ont parti dans la vie, il n'y avait comme même pas 500$. Puis à ce jour, ils possèdent la moitié de Popoyo des terrains. Ouais, ils sont possiblement millionnaires aujourd'hui. Fait que ce couple-là, ils possèdent la moitié de la ville. Puis tu leur demandes comme qu'est-ce qu'il a fait en sorte. Puis si on veut des étapes, on veut qu'est-ce qu'il a fait ici, puis ici, puis qu'est-ce que tu as étudié. Elle dit, moi, j'ai juste tout le temps suivi ma joie. That's it. On est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir à partir de maintenant qu'est-ce qui est le plus fun, qu'est-ce qui est le plus léger pour nous. Puis ça l'a vraiment aligné les mois qui ont suivi. Follow your joy. That's it. Hola, Guacalita Mama. ¿Cómo estás? Bien, también. Si on n'avait pas eu la plage, ben elle dit, moi, mon mari, on serait peut-être plus ensemble. Ici, on apprend qu'on s'endette déjà en partant. On nous dit, don't talk to strangers. Nous, on les emballe dans l'auto, puis on est comme, venez coucher chez nous. La vie, elle me swing pas ces choses-là pour que je dise non. C'est clair que c'est un signe, puis le fait que je sois intriguée, je vais laisser mon corps me guider. Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol. Quand je te regarde dans les yeux, je vois nos souvenirs joyeux.